l'enseignement, pour moi, c'est donner au suivant, entre autres avec la relève. C'est un défi perpétuel, en fait. Pour moi, il y a un parallèle entre être infirmière puis être enseignante dans l'approche à l'autre personne. Ça fait 26 ans que je suis infirmière. J'ai fait que des soins critiques depuis que je suis sortie de l'école. J'en ai fait en Europe et au Québec. Mais Sacré-Cœur, je bats tous mes records de longévité en durée dans un même endroit, parce que je suis ici depuis 2005. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu extrêmement motivant. Puis ça, j'essaye au mieux que je peux le faire passer à la relève qui arrive, là, de leur dire qu'ils viennent de tomber dans un milieu difficile de trouver, personnellement, là, difficile de trouver mieux. C'est un challenge perpétuel au niveau intellectuel. C'est une très belle équipe. Les intensivistes qui sont connus à travers le monde, parce qu'ils font de la recherche, puis qui sont à l'affût de nous tenir, nous aussi, comme équipe nursing, à l'affût des dernières technologies, des dernières façons de faire. Donc un beau travail de collaboration avec les intensivistes, avec les pharmaciens, avec nutritionnistes, physio, ergo, où les patients aux soins intensifs sont de plus en plus malades, dans des unités comme ici, de soins tertiaires, de plus en plus malades, et c'est tout le monde ensemble où on arrive à en prendre soin. Donc un milieu extrêmement motivant pour revoir perpétuellement ses pratiques pour au final toujours donner les meilleurs soins possibles aux patients et accompagner les familles dans ces épisodes de soins-là.